Qui est responsable de l'explosion de notre dépôt de Corinthie? Qui est responsable de l'incendie de Madina? Qui est responsable de l'incendie du dépôt de PDG? Qui est responsable de la commande et de la fourniture du mauvais carburant? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Nos pensées vont aux victimes de Corinthie. Nous allons affronter les pluies de juillet et de août. Ces pauvres citoyens qui ont eu leur maison décoiffée il y a quelques mois et qui n'ont jamais bénéficié d'un appui efficace de l'État pour les réhabiliter. Ils étaient à la belle étoile, ils vont être désormais sous la rigueur des grandes pluies. Toute la cité, dite cité Santino, est dévastée aujourd'hui. Les vitres sont soufflées, le vent va s'incruster entre les vitres, avec tout ce que cela implique comme conséquence sur la ruine, sur les ouvertures, sur les armatures de ces bâtiments à étage. Peut-être qu'on va être obligé un jour de refaire toute cette cité. Le gouvernement jusqu'ici n'a pris aucune disposition visible pour réparer cette cité et pour aider les pauvres citoyens. Pourtant, depuis que la cité a été retirée au groupe Santino, les loyers de ces bâtiments sont versés dans une caisse. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Puisqu'on n'a mis nulle part dans le budget. Depuis toujours, les loyers de toutes ces cités sont versés dans une caisse. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qui est responsable de l'explosion de notre dépôt de Corinthie? Qui est responsable de l'incendie de Madina? Qui est responsable de l'incendie du dépôt de PDG? Qui est responsable de la commande et de la fourniture du mauvais carburant? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. Peut-être qu'on ne trouvera jamais la solution. Mais la solution est dans les mains de Dieu. Mais avant, du peuple de Guinée, dans les mains du peuple de Guinée. Comme le voit M. Kamara l'a dit, il faut attendre l'échéance 31 décembre 2024 pour demander des comptes au CNRD. Même pas au CNRD, mais au président Mamadi Doumbouya, qui est le responsable, le premier responsable du CNRD. Il est obligé, on lui demande amicalement, poliment, mais fermement, de rendre compte de sa gestion depuis le 5 septembre 2021. Voilà la situation. Les coupables doivent être connus.